Hey, what's up tout le monde, c'est Martin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc comment nettoyer sa PS3 si jamais vous pensez qu'il y a beaucoup de poussière et vous l'avez depuis longtemps. Et surtout comment nettoyer la lentille optique à l'intérieur de la PS3, du lecteur de la PS3, excusez-moi, pour pouvoir lire les jeux, parce que parfois vous avez le problème de la PS3 qui ne lit plus les jeux, enfin tous les CD, les DVD et autres. Donc je vais vous montrer comment réparer ce problème. Généralement ça marche, donc après c'est parfois c'est un autre problème, donc c'est pas forcément ça, donc c'est normal. Ça peut être normal si ça marche pas, mais bon ça je pense que ça va sauver la mise à pas mal de monde. Surtout que j'ai cherché des tutos parce qu'il m'est arrivé ce problème là, j'ai vraiment trouvé des tutos, on voyait que dalle et tout dans la vidéo, c'était mal expliqué. Alors du coup bah je propose de faire mon propre tuto vu que je sais le faire. Donc là on a la PS3 de dessous, donc surtout n'oubliez pas d'enlever le jeu. Si jamais vous avez oublié d'enlever le jeu et que vous êtes en train de démonter, bah surtout vous enlevez pas le jeu, hein, vous laissez le jeu à l'intérieur comme il faut. Vous touchez à rien et vous remontez. Donc voilà, au passage je vais dire. Donc là on va enlever tous les petits caches. Donc aux angles, vous avez des petits caches avec de la mousse à moitié, donc c'est normal. C'est possible que vous ayez perdu des caches aux angles, ce qui s'enlève assez facilement, donc ça arrive un peu à tout le monde. Donc là vous enlevez les caches. Vous mettez dans un petit récipient, surtout vous mettrez tout dans le petit récipient pour rien perdre. Donc pour le tuto, on aura besoin d'alcool blanc, donc un alcool fort tel que de la vodka ou quelque chose comme ça. Donc moi perso c'est d'alcool à 80%, donc c'est 80 degrés plutôt je veux dire, excusez-moi. Et donc surtout prenez pas d'alcool de couleur, prenez d'alcool comme de la vodka par exemple, prenez pas du whisky par exemple. Donc prenez également un coton-tige, on va en avoir besoin justement pour nettoyer. Un couteau à vos côtés ça peut toujours vous aider, ou une tige ou autre. Un mini tournevis, donc moi par exemple j'utilise un tournevis de fingerskate, donc ça marche super bien, petite astuce. Et un tournevis basique, donc au passage, donc je sais pas si vous aurez bien vu comme il faut et tout, au passage sur certaines PS3 du côté du disque dur, je vais vous montrer. Donc là il y a sûrement trois vis noires, enfin moi elles sont noires en tout cas. Donc c'est des vis assez bizarres, c'est des vis Torx, ça s'appelle un truc comme ça, enfin excusez-moi si je prononce pas comme il faut parce que je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc tout d'abord, vous enlevez les grandes vis sur tous les bords. Donc moi, elles sont déjà dévissées, hein, donc c'est normal. Si je les enlève d'un coup, même s'il y en a une qui s'est vissée toute seule, je sais pas comment elle a fait. Donc voilà, on enlève les vis. Donc au passage, vous devez voir, il y a un petit capot ici. Donc ça, vous le dégagez avec l'ongle. Donc vous devez tomber sur une vis bleue. J'espère que vous voyez bien la petite vis bleue. Donc ça, on la dégage avec un tournevis basique. Voilà, donc hop, on la sort, donc là il n'y a rien de compliqué à faire, jusque là pour l'instant le tuto il sert pas trop. Donc là pour enlever le disque dur, vous décalez sur le côté. Et comme ça, vous décalez le capot sur le côté et vous le sortez. Donc là, il n'y a pas besoin de forcer. Si vous forcez, si vous avez mal fait le truc, dans ce cas-là, arrêtez. Non, enfin refaites comme il faut, on va dire. Donc là, vous décalez la petite tige pour ressortir le disque dur. Donc voilà au passage, comme ça, vous savez également comment changer un disque dur si jamais vous avez besoin, si jamais vous allez chez un ami, vous pouvez emporter votre disque dur pour avoir vos données. Donc surtout faites gaffe, c'est très fragile, posez-le sur un côté qui risque rien. Donc là on remet le petit capot, pas que ça appuie dessus. Donc voilà, donc maintenant que toutes les vis et le disque dur sont enlevés, on va pouvoir enlever le capot de la PS3. Donc voilà. Donc là il y a sûrement beaucoup de poussière. Donc ça dépend des gens, ça dépend depuis combien de temps vous l'avez, ou ça dépend de l'endroit où elle est mise. C'est beaucoup poussiéreux là où elle est mise, etc. Donc ça dépend de tous les trucs logiques, on va dire. Donc là vous voyez le ventilo, vous l'aurez reconnu je pense, parce que c'est quand même quelque chose de connu, le ventilo, aussi bien dans les PC et autres, c'est positionné un peu partout pour refroidir le système. Donc là si vous voulez nettoyer, vous voyez qu'il y a plein de poussière à l'intérieur, vous enlevez les deux vis ici, vous les enlevez avec un tournevis normal. Donc là vous enlevez la poussière, ensuite vous remettez. Donc là rien de dur à faire, donc je vais pas vous montrer parce que ça sert à rien, on va gagner du temps. Donc au passage je vais faire une petite coupure. Donc là, hop, je relance. Vous enlevez le connectique, donc j'espère que vous verrez bien. Donc, je regarde si vous voyez bien, ouais, vous devez bien voir. Donc là, vous tirez, vous pincez et vous soulevez. L'autre côté, pareil, vous enlevez le connectique, vous tirez délicatement, vous n'avez pas à pincer, vous tirez sur les fils délicatement, dans l'axe surtout, pas abîmé. Donc voilà, donc maintenant, vous devez voir qu'à côté des connectiques, ici, il y a deux vis. Donc elles, vous les enlevez comme il faut. Normalement, il n'y a rien de... Rien de dur à faire. Hop là. Une d'enlever, faites gaffe, prenez une, n'hésitez pas à prendre une pince à épiler pour enlever les vis qui sont dans un trou, c'est un peu galère à enlever parfois. Enfin, je commence à avoir l'habitude du coup, ça je le fais bien.
Elles sont parfois aimantées avec l'électricité qui passe, ça peut arriver. Donc là, elle était aimantée, donc c'était assez facile à enlever. Donc maintenant, on va retirer le bloc d'alimentation. Donc c'est ça, c'est le gros carré, cette grosse partie noire ici. Donc d'un côté, vous pouvez soulever, vous allez voir que c'est pas clipsé, vous avez juste à soulever, mais d'un côté c'est clipsé. Alors vous allez devoir forcer un petit peu. Donc c'est bon, c'est normal si vous forcez. Voilà, vous forcez et vous le sortez. Donc voilà, donc à l'aide d'un aspirateur, vous pouvez également retirer la poussière en aspirant ici. Donc là, rien d'inhumain à faire, on va dire. Donc voilà, donc je vous déconseille de démonter parce que c'est quand même une pièce qui est assez galère à remonter et autres. Donc je vous conseille plutôt de passer un coup d'aspirateur sur les trous et puis voilà. Ça va enlever déjà pas mal de poussière. Donc également, vous pouvez surtout n'envoyez pas de l'air comprimé, sinon ça va pousser toutes les poussières au fond. Donc ça c'est pas le truc à faire, faut prendre un aspirateur pour la pièce que je viens de vous montrer. Donc au passage, vous devez voir que c'est ça qui est bloqué, c'est à cause de ça qu'on a dû forcer. Donc c'est ça qui clipsait la pièce. Donc là vous pouvez enlever toute la poussière et autres comme vous voulez. Donc maintenant, on va retirer le pad. Donc qu'est-ce que le pad? C'est ça, c'est l'endroit où vous avez les deux boutons. Donc là je le fais à une main, donc c'est un peu la guerre pour moi. Je vous conseille de prendre un couteau. Voilà, si j'arrive à le déplier. Voilà, une petite lame. Donc là, vous mettez, vous faites levier, vous enlevez, vous déclipsez. Donc là, il n'y a rien de dur à faire. J'espère que j'y arrive sans problème. Voilà, donc le pad est déclipsé. Donc là, rien de dur à faire. Donc au passage, vous devez voir qu'il y a un petit connectique. Donc là, vous tirez délicatement sur le connectique. Voilà, donc là, le pad est enlevé. Donc vous le mettez sur le côté. Donc vous inquiétez pas, hein, c'est très facile à remettre. De ce côté-là, vous n'avez pas à vous en faire. Donc voilà, on va reposer la play. Maintenant, on va attaquer pour sortir le lecteur, pour enlever la poussière et surtout pour nettoyer la lentille optique si jamais votre PS3 ne lit plus les jeux. Donc là, déjà, vous dégagez le scotch qui va gêner un petit peu. Donc ouais, normalement, vous avez un scotch blanc. Moi, c'est un scotch que j'ai changé, donc c'est normal s'il n'est pas blanc. Donc, sur le côté, vous avez un connectique ici. Vous tirez délicatement dessus, comme les autres connectiques, donc il n'y a rien à faire. Ensuite, vous allez voir, il y a un connectique un peu plus galère. Donc là, c'est l'espèce de petit ruban qu'il y a ici, vous pouvez voir, qui se tourne là. Donc là, surtout, il y a un petit levier. Vous mettez le levier vers le haut, hop, vous devez entendre un petit clips, et là, vous tirez délicatement, voilà, pour enlever le truc électrique. Donc je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi, l'espèce de petit ruban, j'appelle ça parce que ça ressemble un peu à un ruban. Donc ensuite, vous enlevez la petite mousse. Donc vous la décollez, donc bon, ça... Donc il n'y a rien de dangereux et tout, vous pouvez la décoller sans problème. Donc au passage, vous verrez que ici il y a une vis noire, avec un petit truc noir autour, enfin, il n'y a que du noir ici, près de la vis. Donc vous dégagez la vis. Excusez-moi, si on voit ma tête. Parce que moi je suis du mauvais côté, donc vous enlevez la vis, donc là, rien de dur à faire. Hop, vous dégagez la vis. Donc maintenant, vous pouvez sortir le lecteur de votre PS3. Donc voilà le lecteur. Donc là vous pouvez enlever s'il y a de la poussière ou autre. Donc là je vous laisse gérer au niveau de la poussière. Vous dégagez tout normal. Donc évitez de mettre tout dans votre chambre. Faites ça le mieux en extérieur pour éviter que toute la poussière tombe par terre. Enfin, qu'elle tombe par terre mais que ça soit pas grave. Donc voilà, donc on va attaquer le lecteur. Comme ça, j'en refais une petite coupure. Ouais, c'est parce que mon appareil photo il a un petit peu des bugs quand il rec et du coup je suis obligé de faire des coupures, excusez-moi. Donc maintenant on va enchaîner sur le lecteur. Donc là vous voyez il y a trois vis au-dessus. Donc là vous les dégagez. Elle est du petit tournevis. Donc je rappelle un tournevis fingerskate marche comme il faut. Vous avez juste enlevé. Donc j'espère que vous voyez bien. Sinon n'hésitez pas à mettre en HD pour avoir une meilleure qualité et voir le mieux possible surtout. Donc vous dégagez trois vis. Une fois qu'elles sont dégagées, vous retournez. Vous allez voir il y a deux vis ici qui retiennent. Donc vous enlevez que ces deux vis là surtout. Donc je vous montre, vous faites pas voir, n'enlevez pas les autres vis qui servent à rien. Enfin ça sert pas en tout cas pour faire pour nettoyer les lentilles et tout. Ça va servir pour changer d'autres pièces ou enfin voilà des trucs un peu plus minutieux on va dire. Donc mon dieu si j'arrive à dégager cela. Donc voilà donc hop, je vous montre un peu à quoi ressemblent les vis. Donc elles sont petites mais sont longues. Voilà, donc maintenant vous retournez le capot. Enfin le capot, le lecteur, et vous pouvez maintenant enlever le petit capot en fer qui est au-dessus. Voilà. Donc là vous pouvez tirer dessus, hein. Il n'y a rien de fragile, ni rien. Il n'y a pas de truc électrique et autre. Même si normalement vous ne devez pas tirer dessus, c'est que vous avez dû oublier d'enlever une vis sûrement. Des choses qui peuvent arriver.
Donc maintenant, vous allez voir qu'aux angles, il y a des vis. Donc ça, vous les dégagez. À l'aide d'un petit tournevis également. Donc voilà, si elles veulent bien se dépêcher de partir. Adieu. Donc voilà, j'ai enlevé les deux vis. Maintenant, vous devez voir, il y a deux clips ici. Donc dans le noir, vu que tout est noir, vous ne devez pas très bien voir. Enfin, je sais pas sur l'appareil photo. Donc vous déclipsez avec les doigts et vous mettez bien. Faites attention, moi j'ai essayé les vis perso, mais faites attention, on ne va pas les enlever. Au passage, il y a l'aimant qui peut s'enlever. Donc c'est rien de grave, vous avez juste à le repositionner dessus. Donc voilà, ça c'est l'aimant pour tenir le disque tout simplement une fois que vous insérez le disque dans la fente. Donc ça, vous le mettez également de côté. Donc là, vous allez voir, il y a un petit engrenage. Donc l'engrenage, si jamais vous tournez le lecteur vers le bas, vous pouvez le faire tomber. Donc si jamais vous ne savez pas où ça se met, je vous le dis, ça se met ici l'engrenage. Si jamais vous faites tomber. Donc voilà. Donc maintenant, vous pouvez enlever la poussière et autres, maintenant qu'on est dans le lecteur. Et donc là, on peut voir qu'il y a la petite lentille optique. Donc c'est surtout ça ce qui nous intéresse. Donc je vais vous montrer en pointant le tournevis. Donc c'est une petite tête bleue qu'il y a ici. Donc là, il n'y a rien de très dur, à faire. Il faut prendre de l'alcool. Je sais pas si on en a parlé dans la vidéo parce que c'est la quatrième fois que je refais la vidéo. Donc je sais pas si j'ai eu le temps d'en parler. Donc il vous faut de l'alcool fort. Donc moi c'est de l'alcool à 80 degrés, surtout de l'alcool blanc, enfin transparent. Donc pas du whisky par exemple. Vous prenez un coton-tige. Donc vous mettez de l'alcool sur un côté du coton-tige, hein, seulement un côté. Hein. Pas besoin de faire les deux. Évitez même de faire les deux. Vous allez voir pourquoi. Donc vous l'imbibez correctement. Donc, je vais vous montrer. Ouais, fous le coton-tige dessus, on imbibe. Donc maintenant, on va nettoyer la lentille optique. Donc là, vous voyez la petite tête bleue en moitié. Vous tapotez avec votre coton-tige. Donc surtout, n'appuyez pas. Hein. Faites gaffe, ça reste très fragile. Vous voyez, il y a des micro-câbles qui retiennent. Donc faites surtout très attention. Donc moi, je vais pas insister, surtout que moi, elle est déjà propre. Donc avec l'autre côté, je vais essuyer. Le mieux, c'est de laisser un petit peu sécher, genre 5 minutes. Ça sèche vite, étant donné que c'est de l'alcool fort. L'alcool fort, ça sèche très vite. Donc on rebouche tout comme il faut. Donc voilà, donc ça, vous venez de nettoyer votre lentille optique. Donc voilà, vous avez fini, vous n'avez plus qu'à tout remonter. Donc je vais quand même vous montrer comment on remonte tout, c'est toujours plus simple. Donc vous remettez le capot dessus, vous le reclipsez. Voilà, donc là c'est clipsé. Vous remettez, vous resserrez les vis. Donc voilà, c'est fait. Je vérifie que ça filme toujours bien. Ouais. On resserre les deux vis comme il faut. Voilà. Donc on va remettre le capot. Je vais me dépêcher de pas que la vidéo soit trop longue, surtout que là c'est pas le plus intéressant ni le plus important de remonter. Donc là, faites attention. Il y a sûrement un petit rebond qui va vous gêner. Donc là, vous le mettez bien. Donc ça, c'est pas quelque chose de grave. Hop. C'est bien mis. Donc maintenant, vous remettez les trois vis. Surtout, faites attention à pas oublier de vis. À pas oublier de remonter de vis, sinon vous aurez vraiment le seum. Donc au passage, on va remettre ces petites vis-là. J'espère que vous verrez bien. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de ouf. Juste à la monter. Donc, en tout cas, j'espère que le tuto vous aura aidé. Vous aura au moins montré comment tout nettoyer. Donc la lentille optique, si vous n'avez pas de problème de lecture de jeu, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je le rappelle. Donc là, vous aurez vu comment démonter le lecteur pour nettoyer votre play. Donc là, les trois vis sont mises. On retourne. On n'oublie pas de remettre les deux vis, deux petites vis longues. Hop. On les remet. Donc là, il n'y a rien de dur à faire. On les revisse comme il faut. Pas besoin de trop forcer, hein, surtout éviter de forcer dans tout ce qui est électronique. Ça pète toujours des trucs qu'il faut pas. En même temps, c'est jamais bien de péter des trucs. Voilà, au passage, je vais essayer d'envoyer cette vidéo aux chaînes communautaires. Donc pour aider un maximum de gens et puis pourquoi pas en profiter de me faire connaître. Parce que j'ai vu que sur YouTube, il n'y avait pas vraiment de très bons tutos pour ce genre de choses. Du coup, bah, je me permets d'en faire un. Donc au passage, on va remonter le lecteur. Bon, je regarde, ça règle toujours. Oui, ça règle comme il faut. On va repositionner le lecteur à l'intérieur. Faites gaffe à rien pincer au niveau des connectiques et autres. Donc voilà, moi c'est clipsé comme il faut. Donc au passage, je vais refaire une petite coupure. On va remettre les fils maintenant. Donc vous prenez une petite pointe.
tel que le tournevis, vous remettez les fils, vous remettez le petit scotch. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et ennuyante. J'essaye d'aller assez vite quand même. Donc maintenant, nous allons remettre le pad. Donc je vous rappelle, le pad, c'est le truc où il y a les boutons. Donc on va repositionner le petit connectique. Surtout, ne forcez pas. Parce qu'il n'y a pas besoin de forcer, ça se met. Il n'y a que le petit bout à mettre. Hein. Il n'y a pas tout l'avant du connectique qui rentre dedans, n'oubliez pas. Donc pas besoin de forcer. Si jamais vous voyez, vous faites pas avoir comme si c'était pas assez enfoncé alors que c'était déjà assez enfoncé. Donc vous allez reclipser le petit pad. Voilà. Donc normalement, il n'y a rien qui doit ressortir. Et ça se fait très facilement. Donc il donc, n'y a pas de souci de ce côté-là. On va remettre la vis noire au passage. Donc, excusez-moi si vous voyez ma tête. Voilà. Et je suis du mauvais côté pour positionner la vis noire. Donc voilà, la vis noire est remise. Donc c'est la vis qui tient le lecteur, je vous rappelle. On va remettre les petits connectiques. Donc là pour l'instant, il y en a deux à remettre. Et vous remettez l'espèce de petit ruban. Donc vous insérez l'espèce de petit ruban. Et ensuite, vous redescendez le petit capot. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Vous redescendez le petit capot vers le bas. Hop, donc là, c'est pour bien bloquer tout comme il faut. Et donc voilà, donc le lecteur et le pad a été remonté. Maintenant, il nous reste plus qu'à remettre cette partie-là. Donc, tout simplement, pour la remettre, vous avez juste à la reclipser. Faites gaffe à ne pas bloquer de fil ou autre. Au passage, j'ai oublié de remettre la petite mousse comme il fallait. Je vais la remettre, hop. Voilà, la mousse est remise. Tout est bien mis. Maintenant, on rebloque. On va rebloquer tout ça. Donc là, on va commencer par remettre les vis. Donc je vous rappelle, les vis, c'est ces deux vis là. Voilà, ces deux vis là. Donc elles sont un peu galères à mettre, attendez qu'elles sont dans un trou. Donc la petite technique, c'est vous mettez au bout de votre tournevis. Et vous tenez avec un doigt comme ça, et vous foutez dans le trou. Donc voilà, j'espère que la vidéo est assez simple à comprendre surtout. Et j'espère qu'elle sera pas trop longue. Donc vous remettez les deux vis, donc là je montre pas de près, hein, parce qu'il n'y a rien de ouf à faire. Vous remettez juste les deux vis au niveau des connectiques. Au passage, je viens d'abîmer un peu de vis. Donc faites gaffe à pas trop forcer surtout. Donc maintenant, nous allons remettre les connectiques. Donc là, vous repositionnez le pouce pour bien reclipser comme il faut. Donc les gens, donc là, on va... Donc une petite coupure au passage que j'ai dû... J'ai eu un petit problème technique. Donc là, on a remis ce connectique là. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à reclipser ce connectique là. Hop là, donc là, il est clipsé. Donc là, il n'y a rien de compliqué à faire. Ensuite, vous êtes là, vous avez fini, vous avez plus... qu'à remettre le capot, donc n'oubliez pas de bien enlever la poussière là où il faut et tout, pour éviter d'avoir à tout redémonter un jour. Enfin un jour, pour le moment on va dire. Donc le capot c'est juste à clipser, donc rien de bien compliqué. Voilà, donc normalement c'est normal si vous avez la petite fente, hein, vous ne faites pas avoir, il y en a, je sais qu'ils sont faits avoir. Ensuite on va remettre le disque dur, donc souvenez-vous c'est dans cet endroit là qu'on remet le disque dur. Donc au passage je vous remontre ce que c'est que le disque dur, c'est ça, donc là vous avez juste à l'insérer dans la fente. Donc comme quand vous l'avez enlevé, hein, c'est juste l'inverse. Donc une fois ici, vous remettez le capot. Donc normalement vous n'avez pas forcé, hein. Si vous avez forcé c'est qu'il y a un problème quelque part, donc vous ne faites pas avoir en forçant et en cassant quelque chose. Surtout près du disque dur, c'est vraiment pas bon. Sachant que le disque dur c'est quelque chose d'assez fragile. Bon, au pire, le disque dur c'est pas ce qu'il y a le plus cher. Je vous rassure, si jamais vous pétez quelque chose près du disque dur, vous rachetez un disque dur, après c'est juste pour vous donner, vous risquez de les perdre, c'est ça qui est le plus chiant. Mais bon, voilà, encore c'est pas quelque chose de très grave. Bon, au passage, on va remettre toutes les vis. J'espère que le tuto sera bien détaillé et que vous avez bien tout compris, qu'il n'y a pas de problème. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à m'ajouter sur Skype, donc Mortal Gaming comme sur ma chaîne YouTube. Donc merci de pas me spam au passage. Enfin, pour ceux qui m'ajoutent, je fais... J'essaie d'être un maximum actif, mais bon, après, je peux pas être partout à la fois, on va dire. Sinon, je remercie énormément les chaînes communautaires qui m'auront upload, surtout que ça aura peut-être pu aider un maximum de gens. Et c'est vraiment ça, c'est le but du tout, c'est d'aider les gens, parce que je sais que c'est vraiment chiant quand vous faites quand vous avez un problème. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. En plus, on est soir. J'ai dû reprendre la vidéo au soir, parce que je l'ai commencé l'après-midi, mais j'ai eu un problème technique, donc j'ai dû reprendre là où j'avais arrêté. Donc voilà, donc on va revenir sur une PS3, donc au passage, vous voyez le petit cache avec la mousse qui est assez large, c'est pour les angles. Donc normalement vous avez sûrement perdu un ou deux caches, comme moi.
Et puis c'est un truc qui se perd assez souvent, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc au passage, vous remettez les caches plats sur les vis qui sont pas dans les angles. Donc pas comme là, ni là, ni là, ni là. Vous les remettez aux autres endroits. Donc normalement vous avez ça en gros. Et vous remettez les vis Torx. Vous les remettez près de l'entrée du disque dur. Donc il y a les trois. Donc bon, j'ai pas besoin de vous montrer, c'est tout simple. Donc j'espère que vous aurez bien compris ce tuto, que vous l'aurez apprécié. Et puis surtout n'hésitez pas à le partager pour le travail, parce que je me suis pas mal fait dans les vidéos. Du coup j'ai dû recommencer 4-5 fois à tout démonter, tout remettre. Du coup franchement c'est vraiment super long à faire, ça demandait beaucoup de travail. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, pardon. Et que j'aurai sauvé la vie peut-être à votre PS3. Donc voilà les gens, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Peace!